la veille du procès des 9 militants de la Confédération paysanne, les militants des Jedi for Climate se sont mobilisés pour soutenir ces héros climatiques, comme ils les appellent, qui n'ont pas hésité à démonter illégalement une partie des installations de la ferme-usine d'Émile Vache, symbole de l'agriculture industrielle, déshumanisée, désanimalisée et polluante. Nous sommes le 16 juin 2015 et nous voilà en route pour aller devant le ministère de l'Agriculture avec les Jedi for Climate. Nous allons informer les salariés du ministère du procès qui va avoir lieu demain à Amiens, le procès des 9 de la conf, qui sont jugés pour avoir démantelé en partie l'usine des 1000 vaches. Et vous pensez qu'on va y arriver? À la relax? Oui. À la banderole, je suis presque moins sûr. Voilà, la vache sympathique. Bien le bonjour, Dark Vador, profession empereur du mal. Je suis pour la ferme des 1000 vaches. Je suis pour la ferme des 100 000 vaches et la ferme des 1 million de vaches. Je veux Ramri. Ramri, rejoins le côté obscur de la force. Car Ramri, je suis ton père. Ramri, c'est le propriétaire de la ferme des 1000 vaches. Donc une ferme où des 800 vaches actuellement sont enfermées les unes sur les autres. Les vaches sont maltraitées, elles sont martyrisées, sont sous antibiotiques. Et ça produit de la viande de très 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 mauvaise qualité pour les pauvres en gros. Et en plus de ça, ça produit du gaz carbonique et qui rajoute encore au réchauffement climatique. Nous voudrions remettre cette pierre bio à Stéphane Le Foll. À la fin de l'année, c'est la COP21, la grande réunion onusienne pour le climat. Et on sait que l'agriculture est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors on voudrait juste rappeler à Monsieur Le Foll qu'il doit prendre ses responsabilités. N'hésitez pas à venir prendre l'apéritif, hein, notre apéro climatique. Non, on est devant la cantine des ministères en fait. Il y a plusieurs ministères, dont le ministère d'Agriculture qui vient manger ici. Donc on en profite pour leur proposer l'apéro. Et les informer, parce que les gens qui travaillent dans les ministères ne sont pas tous d'accord avec les actions du ministère. Et c'est en tant que syndicaliste que justement j'interviens, parce qu'il faut, en tant que ministère de l'Agriculture, défendre l'agriculture paysanne. Santé!